Alors, passer dans un anneau mais tu me le prends pas en compte, ça va pas le faire. Oh, j'ai perdu. Il me manquait pas grand chose en plus. Mais bon. Au moins on a vu ce que ça fait. Barbis, pizzicunas. Je vais te nuke-nuke à la gueule. Pharaon. Bon, ça c'est le boss, j'assume. Ah, bâtard! Parabis, pizzicunas! Oh putain, ok. Oh putain. Barbie, Izzy, Kunas. Mais je vais finir en si peu d'épisodes en fin de compte le jeu. Putain, je me rappelais pas qu'il était si court.
par eux. Ajax. Je déteste ces bestioles. Quand je serai grand et fort comme toi, je les écrabouillerai. En attendant, souviens-toi que la supercharge te rend invincible. Wesh. Évidemment, il y a deux œufs ici. Essaye de combiner la supercharge, le saut et le vol afin de bien explorer les grandes grottes. Non mais... Mais putain mais... Oh mon dieu, quel enfer. Quel enfer. Mais je saute, con de ta race! Oh là, il aura pu me le donner le truc, ils abusent là.
Sure. Il me manque un dragon. Ouais. Ok. Ça n'a pas glitch. J'ai appuyé pour sauter, connard, s'il te plaît. Attends. Est-ce que je peux pas essayer de gruger? Je peux pas. Oui, très. On va même dire que je suis borné.
De toute façon, tu te prendras un ban, Seton. Ah, tu te prendras un mute. La solution, elle doit être conne comme le monde. Là c'est trop court et quand je saute de l'autre côté ça me fait venir trop loin. Ça me fait quand même partir trop bas. Pareil. La solution, ça doit être là où il y a les espèces d'araignées scarabées. Cyrus. Fais quelque chose contre ces grands druides. Il met tous en dessus-dessous. Ah, mais c'était juste ça en fait. Attends, il m'en manque 67. Ah, je crois que le voisin il est revenu pour réparer certains trucs dans l'appart. Attends, mais j'ai fait partout là. Pourquoi il me manque des joyaux? Un mur a pété ou quoi? J'ai pas vu. Il y a une zone que j'ai pas vue, j'ai l'impression. Oui, là-haut. Hein. Ah, toi je sais ce que tu vas me donner toi.
change rien, il me manque quand même des trucs. On va voir. On peut se barrer. Si j'arrive à retrouver où. Oui, vous savez, je crois que je m'en rappelle. Aïe. Voilà. Eh ben putain. Arrêtez dur. Je vous enlève le chat. Pas plus propre. Voilà. Tu fais ce monde là ou pas? Napkin, non, je l'ai pas fait. S'il y a un œuf à récupérer, 500 joyaux et 4 dragons. Eh bah putain. Hey, qu'est-ce que c'est que cette merde? Spiro, tu n'as pas peur de ces grosses, méchantes, affreuses créatures, n'est-ce pas? Bien sûr que non. Je pensais le contraire. Ça me paraît fort suspect ce machin.
Tu veux le... Allez, d'accord, ok. Eldred. Merci de m'avoir libéré. Vous aurez vraiment pu éviter ce genre de dialogue. J'ai hâte de faire les prochains Spyro. Ce sera peut-être pour une prochaine, pour un prochain épisode de La Cave des Plaisirs ou une prochaine saison. De si les gens me les proposent. Je sais pas. Une petite vingtaine de minutes, je pense. Pourquoi? C'est pas du tout. Joli travail, Spyro. Si tu continues comme ça, tu connaîtras toutes les astuces du monde des ouvriers magiques. Ils m'ont appris quoi par la super course? Ah oui, c'est vrai, rien. Souviens-toi que ces volants n'ont pas seulement volé les œufs du monde des ouvriers magiques. T'inquiète pas, je m'en occupe. J'en ai pas raté.
Aïe. Marche dessus. Où est-ce que j'en aurais oublié? J'y accède à eux. D'accord, ok. Olé, dentro ta 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 ta. Non mais par contre faut le pixel près sérieusement. Je l'ai fait. Le cristal, je l'ai essayé. Avec deux œufs, évidemment.
On va voir. Jarvis. Bienvenue au pic des magiciens. C'est mon endroit préféré pour effectuer une supercharge. Utilise-la pour frapper les magiciens. Oh, dame. Merci de m'avoir libéré. C'est peut-être un des seuls trucs de que j'aime pas dans Spyro. Les dragons qui répètent le merci de m'avoir libéré, genre qui n'apportent vraiment rien au jeu quoi. Par contre, je vais pouvoir aller chercher ce qu'il y a là-bas. J'ai appuyé pour voler, connard! Putain, c'est pas possible! Lucas. Encore. Écoute attentivement, Spyro. Il existe un endroit secret dans le monde des artisans. Il est situé près de la cascade. Essaie de sauter sur les pierres à cet endroit. Monde des artisans, cascade, j'y vais. Tu parles du truc que j'ai fait au tout début du jeu ? Spoiler alert, mon vieux, je l'ai déjà fait. Il est con ou quoi? Ah bah j'ai tous les œufs. Comment ça de gagner?
vais me chercher une bouteille du coup. Reviens. Ok. Yes, bah oui, bien sûr. C'est quoi le délire, j'ai pas assez de vitesse? Comment pour avoir de la vitesse? Ah ok, j'avais pas assez de vitesse. Et même comme ça j'ai pas assez de vitesse. Mais quoi? Ah putain, si, ok, je crois que j'ai compris. Si c'est ça, c'est très con. C'est pas ça. Mince, combien de vie? 2? Ouais, bah on va arrêter hein. Je vais pas tenter le diable. Hop. Au moins j'ai les œufs. Maintenant, il me faut une statue de dragon. Alors attends, lui, si je dis pas de la merde, c'est celui qui m'emmène dans la dernière zone. Tu colles Aeronaut, merci d'avoir retrouvé autant d'œufs de dragons, Spyro. Partons pour le monde des créatures d'animaux, si... pour les créateurs d'animaux, si tu es prêt. Ah non. Il va me rester deux mondes, du coup. Voilà. Ah là, on a sauvegardé. Et par acquis de conscience.
Je vais faire une sauvegarde manuelle ici. Voilà. Du coup, merci d'avoir regardé ce ou ces nouveaux épisodes de Spyro. J'espère qu'ils vous auront plu. C'est le cas, n'hésitez pas à le faire sans code d'habitude. On se retrouve demain soir, pareil, 18h30, 19h, je pense 19h, avec Cetan pour continuer Across the Time. Merci Tejen, merci Cetan, merci Nako d'être venu sur le live. Ah ouais, tu reviens pour la fin, mon petit Nako. Et je pense que je referai... J'allais dire je referai un live demain dans la journée, mais comme tu travailles, c'est compliqué. Je pense que le live demain, il sera plus long, par contre. Enfin, bref. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne fin de journée selon laquelle vous regardez cette vidéo. Et quant à moi, je vous dis à bientôt pour les nouvelles aventures. Des bisous à tous et à la prochaine.